Un peu, si tu l'as dit pendant que j'enregistrais, je pense que je vais le laisser, on va mettre de la musique tout de suite après. Yeah! C'est passé l'approche. Pourquoi t'as dit oui à ce projet-là, dans le fond? Ah, ben j'aime la musique. Mmh. Puis parce que j'ai des descendances gauloises, puis lui aussi. Ouais, c'est ça. Étienne Gallo aussi. Nice. Ça donnait genre de sentiment d'appartenance, mettons. C'est un concept, un peu. Ouais, ouais. C'est super. Ouais. Sinon, ben j'aime la musique, puis tu sais, si j'ai des offres de projets de studio, moi, ça me fait plaisir, c'est le fun, puis j'aime ça faire ça. J'aime mieux faire du studio que faire juste des shows tout le temps, tu sais. C'est moins de. En tout cas, c'est totalement deux mondes, dans le fond. Mais côté technique, ça, à comparer à ce que tu as fait avant, est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué? Ben, je te laisse. J'ai pas encore entendu, évidemment. Là. C'est dur à dire. C'est peut-être un peu moins des signatures de temps, ouais, là, en n'importe quoi, là, que je pourrais même pas dire. Des fois, Guri, Mathieu arrive avec de quoi, puis c'est compliqué. Là. Il faut que je me casse la tête et que je me fasse des chiffres dans ma tête pour voir, OK, ah ouais? Ça recommence à 7, puis l'autre mesure, ça recommence à 5, là, puis là, ça revient à 7, puis après, c'est 6, puis là, mais ça, ça coule plus, tu sais. Il y a des bouts qui sont compliqués à cause que je me suis peut-être compliqué à la vie, mettons. Là, je sais pas, là, ou tu sais, c'est des fois la vitesse aussi. Il y a des bouts que je veux pas, il faut que je suive à ce qu'il y a à peu près monté. Mais moi, c'est ça, j'écris tout le temps en 4-4 ou en 6-8. Non, c'est pas. Je vais pas plus loin, genre. Ok. Puis jusqu'à quel point tu as eu une carte blanche pour être créatif dans ce que tu as fait ou ce que tu vas faire? Ouais, la
langue pas mal. Pour vrai, ouais. Non, mais tu sais, toi, dans le fond, tu lui as dit, fais ce que tu veux là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis même Max, c'est lui qui tape les guides quand on rentre en studio. Puis j'ai dit, man, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis très open, genre. Dans le fond, moi, je te donne un framework, puis après ça, tu essaies de faire de quoi avec ça. Le gars, c'est lui, c'est son instrument, moi, c'est pas mon instrument, fait que je peux pas imposer des affaires que je connais pas assez. Tant il joue ça, puis lui, il veut s'instruire, ben, il fait ça, puis il s'implique. Nice. Plus qu'avec un drone programmé. Cool. C'est sûr. Un drone programmé, ça s'implique pas bien. Non. Ah, c'est nice, ça, le mic, man. Ouais, c'est ça, un moment donné, là. Puis en même temps, ben, je leur envoyais quand même un vidéo, tu sais, de ce que je suis en train de faire au cas où il y a quand même quelque chose qui dit non, non, pas ce beat-là, ce place-là, ça marche pas, là. Mais, tu sais. Quand même, tout est correct. C'est-tu les vidéos qu'on a vues sur Facebook ou ma YouTube? Ouais, c'est ça? Ouais, ça? Un petit vidéo de 30 secondes. Ça, c'est toi qui l'as envoyé à eux autres. Ouais. Puis après ça, ah, nice. Ils ont choisi un petit bout. Là. Ouais. Un bout que c'était un blast beat. Ça paraît toujours moi. Ouais, ça va être méchant. Fermez vos gueules, OK? Là. On n'est pas rendu soft. Ouais, tu vois, tellement carte blanche comme Forest, là, la base, moi, j'ai pas composé. J'ai rien écrit de base. J'ai envoyé les tracks de guide. J'ai dit, tiens. Tout est fait? Compose ta base là-dessus. Tout est fait présentement, là. Pourquoi vous faites ça, les boys, présentement? Pourquoi vous avez rajouté deux micros que vous n'étiez pas sûr au début? Ben, c'est pour un test, à fond, lesquels on va mettre mieux. Ah, pour vrai, man? Fait, dans le fond, vous faites un test avec quatre micros, ben, pas différents, pas en tout, non? Ben, en fond, si on a deux passes pareilles de chaque côté, on va juste, en fond, changer notre input. Quand t'as toujours changé le mic, puis si t'as de le replacer, On va les placer comme du monde en partant, moi qui va changer les cordes. Intéressant. À qui ça appartient, le studio de la majeure? Ça appartient à Sylvain Lefebvre. Sylvain Lefebvre? Oui, qui est un mixeur, en fond. Il a fait la musique de film, il fait de la musique aussi. Puis maintenant, il fait beaucoup de pubs. Parce que c'est payant. Il y a des astuces d'orchestre, j'imagine, qui rentrent ici, c'est ça? On fait beaucoup, souvent dans les orchestres, mais notre room est quand même limité. Fait que c'est assez tête, mais on peut faire, mettons, 25 musiciens. Ouais, bon, t'as raison, c'est assez limité. Ça, ah, mais c'est qu'on peut pas, mettons. Je fais souvent ça chez nous, 25 musiciens. Pas 65 musiciens. Ouais, des fois, Sylvain, ça est allé à Warner, justement, à Los Angeles, en acheter des genre 65 musiciens et tout, là, pour des productions hollywoodiennes. Waouh! Qui était au studio de Pierre, c'est que lui, la room est bien, bien, bien haute, puis il y a comme une mezzanine. Fait que là, il va en haut, puis il met deux micros accrochés à la mezzanine. Ah, oh, shit! C'est bon acoustique. Mais Martyr avait enregistré là, c'est ça? Ouais. Hein? Ouais, mais ce qui est arrivé, par exemple, le son du drum, il est pratiquement. Il y a eu un bug, je sais pas trop, là. Fait que c'est pas vraiment le son de la room, là. Il y a beaucoup de sons comme qui ont juste repris le son des tomes, là. Shit. En tout cas, ça va donner ce que ça voulait, dans le fond? Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu un bug avec le drum, là, je sais pas trop, là. C'est Pat qui m'avait dit ça, puis il était comme un petit peu frustré de ça. Parce que le son, ben, il était quand même assez triggé, là, ça paraît, là, sur le dernier. Cette place-là, ça sonne une acoustique de malade, puis il n'est pas exploité comme dans cet album-là, mais c'est dommage. Le drum, il est parfait, pareil, là, tu sais, quand t'écoutes. Non, c'est sûr. C'est Pat qui joue pareil. C'est un Pat. Il n'y aura jamais de live. Non. Oh. Même pas un petit show exceptionnel, là, qui a sorti faire un petit filmage, non? T'as rien pas ça de te maquiller, là. On l'a fait par le passé, puis je pense que c'est un... Faut qu'on se parle, je pense. Ouais. Check ça. Une onde de choc, esti, mondial est en vue. On est partout, on est au studio, puis ils parlent nous autres. Je capote. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, John? Tu t'en calais, ça. Ok. Ouais. Yes. Un moment privilégié et sensuel. Avec Pierre-Alexandre. C'est plus sur la fusion. Ah, tu joues bon. Dave qui déclenche la rame au studio. À cause de? À cause que je chie trop fort.
D'abord, ça va être trois tonnes instru, trois tonnes instru. Tu sais, le black, on s'entend que c'est vraiment sépulcral que la coque, là, je veux dire, au Québec. Ouais, ouais. N'importe qui essaie de leur enlever ça, c'est suicidaire. Ben, sépulcral, toutes les bands qu'il y a, honnêtement, c'est des groupes qui marchent. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ils poussent ces bands fort. C'est des bons bands, hein. C'est ça. C'est ça que c'est des bands de qualité, puis ils font une crise de belle job. Ah, ouais, sérieusement, là, c'est top, là, puis je veux dire. Pour ça, tu sais, ils m'ont demandé quel style vous faites. Ben, tu sais, j'en fais de l'extrême. Mon but, c'est pas d'aller chercher le black. Non, c'est quand même assez diversifié. C'est dans l'extrême, mais tu sais, comme je disais, nous autres, c'est des bands qu'on trippe, puis tu sais, qu'on veut. Visage de nuque intense, le gras qui sort des oreilles. Combien de morts là? Les gens meurent même. Par milliers. Cimetière Côte des Neiges nous a appelé. Il n'y a plus de place. Que je vais faire one shot, mais c'est pas le chat. Alright. Là, il arrive en studio one shot. Alright.
fucking high, the drunks, it's time to go. Alright! Drugs, yeah! This next one's about your mama.